Aslema, smi Nour Bouaqlin, je suis consultante et formatrice internationale en marketing digital. Tawa, ça fait 6 ans que j'ai une agence Point Digital spécialisée dans la stratégie digitale. J'accompagne les entreprises tunisiennes ou africaines, également l'Afrique francophone, dans leur transformation digitale. Voilà. Tawa, le digital est un peu partout, Tchoufoufi, de plus en plus. Et c'est vraiment le comportement des personnes, les individus, les entreprises, qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies répondent réellement à des attentes et nous apportent beaucoup. Donc, l'entreprise, si elle ne se digitalise pas, si elle n'introduit pas ces nouvelles notions, eh bien, elle passe à côté et donc elle ne peut plus réellement suivre le courant et être dans le train de l'excellence ou de la croissance. Alors le salon EDA, c'est Skander qui m'a contacté pour m'en parler. D'abord, je le félicite ou je félicite toute personne qui a réellement contribué le salon EDA, c'est sa première édition. Il faut qu'on en parle. Ça existe ailleurs, moi qui fais beaucoup de pays, ça existe ailleurs, notamment évidemment en Europe ou aux États-Unis. Et il est temps réellement, et nous, on fait de la réflexion en vue d'avoir des actions, donner des conseils, des recommandations à tout organisme susceptible d'avoir besoin du digital. Donc j'ai été vraiment ravie d'en entendre parler ou de savoir que ça allait se faire. Malheureusement, je dis parce qu'il y a le deuxième côté, le 11 mai, NFI Cotonou au Bénin. Et donc, c'est dommage. Et on est dans les nouvelles technologies, on est dans le son, dans l'image. Et ben écoute, tu vas participer au film d'une vidéo au Top d'Amman. Alors, je suis avec vous avec le cœur. Tu seras également là avec l'image où tu pourras participer et contribuer une tizède à ce salon. Alors, le programme, je ne sais pas trop. Alors, on a vu Mzette qui gîte comme Mzette, je repars. Là, je suis complètement à côté. Tout ce que je sais, c'est que j'ai discuté, j'ai vu les intervenants, je lui ai conseillé des personnes en France qui sont vraiment excellentes. Et c'est un programme très innovant dans le sens, on essaie d'avoir un programme assez complet parce que d'habitude on a certaines thématiques qui se veulent un peu vieilles, Tawa. On va essayer de parler de nouvelles choses très très importantes et ça j'ai énormément apprécié. Khater Skander m'a dit, vas-y, donne-moi des noms, des gens qui t'ont ébahi, qui t'ont réellement plu et je veux les contacter. Donc je pense ce salon va apporter beaucoup dans la curiosité que ça va générer. Khater, un salon, c'est peu de temps. Mais le but, c'est que les gens, on leur donne des pistes à suivre et ils continuent et ils voient qu'ailleurs, on est vraiment loin. Alors, les intervenants, j'ai Laura Sun, qui est une conférencière de très haut niveau. Je l'ai vue à Rabat. On a eu une conférence ensemble, excellente. Hein. Elle est beaucoup dans le personal branding, dans le réseautage. Elle, je la connais, elle est française. Elle ramène avec elle également un monsieur, elle m'en a dit beaucoup de bien. Hein. Je pense qu'ils vont nous apporter beaucoup à eux seuls. Et évidemment, Star, les Tahar Alami marocain, que j'ai rencontré lors d'une conférence à Alger, on a eu ensemble une conférence, et qui habite à Dubaï, et qui est excellent au niveau des nouvelles technologies, très 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 intéressant. Ça c'est ma petite contribution au salon. J'ai également vu de très bons noms, de très belles entreprises qui allaient parrainer, et beaucoup de potentiels tunisiens. Et je suis certaine que ça va être très riche et très différent. On est réellement un panel très très différent et donc très enrichissant. L'événement aura lieu le 11 mai 2017. Ce sera au Sheraton de Tunis. C'est évidemment ouvert aux professionnels. Je ne sais pas s'il y aura dérogation pour des étudiants ou je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, ça reste très professionnel. Et les sujets sont assez variés, ce qui permet quand même d'avoir un public plutôt assez varié. Chacun y trouvera son compte. Alors, c'est pas un souci. Il y aura des conférences où on aimera plus que d'autres. Et c'est ça le but de cette différence et de cette richesse. Alors moi, je vais parler d'Afrique. C'est un peu normal.
Parce qu'avec les 12 pays, ce serait quand même bête de ne pas vous donner un petit aperçu du digital en Afrique, mais pas d'un point de vue chiffre. S'il y a bien une limite en Afrique, ce sont les chiffres. Allez, les chiffres officiels n'ont rien d'officiel, ils ne sont pas vrais. Et donc, c'est à force de fréquenter les gens, à force de les voir, à discuter avec eux, de voir les comportements, de voir comment ils réagissent à ces nouvelles technologies, que j'ai pu quand même avoir ma petite idée, contribuer également à leur bien-être. Et j'aimerais en faire part. J'en ai fait part il y a 2 semaines à Paris, lors d'une conférence. Donc j'ai parlé de l'Afrique. Je me suis dit que ce serait une excellente occasion en Tunisie. Et sachez qu'une semaine après, donc le 19, je serai à Conakry pour parler également de l'Afrique dans la même thématique, avec évidemment plus adapté selon l'orientation géographique. Alors d'abord, pourquoi s'inscrire ? C'est même plus une question, j'ai envie de dire. D'abord, on devrait féliciter tous les événements. Moi qui fais de nombreuses destinations, si nous, Tunisiens, je parle bien des Tunisiens, de mes compatriotes, on n'encourage pas ce genre d'événement, eh bien on est voué à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement rapide que si ça ne devient pas une vraie cause nationale, que ça ne devient pas un sujet quasiment quotidien, le digital, on va se faire dépasser. Donc oui, venez parce que la richesse du programme mérite amplement votre déplacement. Et de deux, pour montrer qu'on est vraiment contributeur d'une manière ou d'une autre pour que la Tunisie deviennent réellement un pôle, parce qu'on a les compétences. Les compétences moujoudines, restent à les valoriser. Et ça, c'est une excellente façon de valoriser ce qu'on a et de montrer au monde entier, parce qu'avec les nouvelles technologies, ce sera le monde entier, que réellement la Tunisie n'est pas ce petit pays, même géographiquement, mais c'est un grand pays d'un point de vue digital. Pour venir, faut s'inscrire, ça c'est une obligation. Pour s'inscrire, c'est très simple, ce sera pas par courrier parce qu'on est dans le digital, ce sera sur leur site internet www.digitalsummit.tn. N'hésitez pas, c'est en 2 secondes, vous allez voir, c'est un plaisir de s'inscrire. Soyez nombreux, je serai là par le cœur, par l'image, par le son, et à la prochaine.